Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube et Dr. Chewy, Mr. Wookie pour Twitch. Dr. Chewy pour vous servir. Oh, j'espère que vous allez bien. Bon, ouais, ça va. J'ai un peu la haine avec un copain qui m'a envoyé un message, mais bon. Ouais, quoi, enfin, pas la haine, mais ça me fait chier. Donc, eh ben, on se retrouve sur l'épisode 7. Quoi, attendez, je vérifie. Oui, épisode 7. Donc, j'ai passé à Aegis, parce que tout seul, c'est mort. Et puis, bon, il faisait trop chaud, ça m'a énervé. Donc, on va se calmer un peu sur en faisant Dawn, et puis on retournera sûrement sur Aegis après. Donc, voilà. Bah, c'est parti, hein. Que dire d'autre, hein. Salut Kiki! Oui, tu traînes pas, ouais. Ça fait une minute que je suis en live. Alors, bon. On va abréger les souffrances. Alors, le garage, il est où? Ok, le garage, il est là. Donc, hop, on va déjà aller jusque là. Non, attendez, on n'est pas à Dawn. Ah si, Dawn. Ah, tu m'as vu sur Steam, d'accord. Ah mais bon, si je suis sur Steam, c'est pas forcément que je suis en live. Et des fois, je fais un de temps à autre, je fais des jeux hors live. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis sur Twitch dès que je suis sur Steam. Donc là, on va aller récupérer un véhicule. Tatra, c'est un Tatra. Tatra Phoenix, je crois que c'est. Et amélioration, d'accord. C'est là-haut. Et le camion, il est où? Il est là. Être un bon chemin, mais bon. Ah oui, il est bien bloqué. À mon avis, pour le sortir, celui-là, il faut une grue. Ouais, mais bon, la plupart du temps, je suis sur... comme je te dis, hein, si je suis sur Steam, la plupart du temps, c'est que je suis parti en live. Hein. Je vais pas dire à tous les coups, mais quasiment à 95% du temps, Steam égale sur Twitch, quoi, en même temps. Ou des fois, j'oublie tout simplement d'être en Steam. Est-ce que c'est une bonne idée de passer par là? Je doute. Quoique, si. Ah, j'avais pas vu celui-là par contre. Je pense que je pourrais pas directement monter dans le véhicule, il faudrait que je le sorte avant, je pense.
Au revoir. Ah mais c'est quoi de ça, une décharge ou bien? Oh la vache. Ah oui, il est bien... Il est bien bloqué. Ok, bon, bah, on va aller chercher une grue. Hein. On vérifie qu'il n'y ait pas besoin d'autre chose. Un sapro vient d'apparaître. Il me semble que j'ai... Non. Alors, Tatra Force, exigence, le roi endormi. Super. Il est où le roi endormi? D'accord, donc si c'est le roi endormi, ça doit être une quête à faire. Le roi endormi. Y'a pas. Oui, mais dans le cas là, il est où le roi endormi? Une mission, un truc jaune à quelque part ou bien? Ah, sa pro n'a pas été capturé. Ça c'est un Anta, un Arctique. Bon, pour le voir, le véhicule, il faut le roi endormi. Mais le roi endormi, je le trouve pas. Ah, le blanc. Mais il est... Le tatra est là. Ah, d'accord, on va aller prendre, on va repartir au garage. Le garage, donc... Que je prenne déjà dans le bon sens, voilà. Tac. Tac. Et il est vers là, le roi endormi. Ok, ok. Et bon, on va y aller. Garage. Entrepôt de camion. Je vais reprendre mon White Western pour changer un petit peu. Il est où mon White Western? Ah, je l'ai pas activé, le Spartan. Je l'ai pas activé, le Spartan. Mince. Bon, vous savez quoi, je vais aller l'activer. Hein, Titi, t'as pas 600, Kiki, t'as pas 600 balles à me passer?
Hey, il y a un abruti de pote qui m'a envoyé un message. Bon, un abruti sympa. Hein. Je dis ça pour taquiner. Et il m'a envoyé un message comme quoi il y a une voiture sans permis qui est en vente à 600 balles pour cause urgence familiale. Et il sait bien que j'ai pas les moyens. Donc, ça me passe sous le nez, quoi. Tu m'étonnes. Pourrais demander à un ami. Mais le problème, bon, je pense qu'il les aurait, mais comment, quand est-ce que je pourrais le rembourser? Aucune idée. Déjà que je lui dois 200 euros, demander à la famille, c'est pareil, je pourrais, mais c'est toujours le même bordel, quoi, et après il faut pouvoir les rembourser. Mais vu mes moyens, je peux pas. C'est ça qui m'emmerde, quoi. Bon, je pense des bons pneus boue, ça devrait le faire. Salut Will! En fait, les roues de secours, je vais pas les mettre parce que d'un coup en bas, que je m'accroche ça. Un châssis. Oh non, on va pas lui mettre. Bien un truc. Quoi de ce truc? Ok. Ok, bon. Des trucs que je découvre que j'avais pas. Comme ce machin là, 500 pièces de réparation. Il y a le petit réservoir là. 900. Il n'y a que des pièces de répart. On va lui mettre un simple bac, hein, et puis c'est tout. Ça me servirait peut-être à rien. Ouais. Oh, j'aime bien ça. Hop. Quelques pièces de réparation. Bon, pas vraiment utile. Là, échappement. Ok. L'argent, le nerf de la guerre. Tu m'étonnes. Pour avoir une voiture, il faut un boulot. Pour avoir du boulot, il faut une voiture. C'est ça. Et en plus, c'est une VSP, hein, une voiture sans permis. Hein. 600 euros de 2008. J'avais la même avant mon accident. Et 17 000 km seulement. Donc c'est pas mal, hein, surtout que c'est une diesel. Hein. Bah oui, en plus, surtout pour... Bon, normalement, une bagnole comme ça, c'est dans les 2-3 000 balles, hein. Mais le gars, il la vend pour urgence familiale. Donc bon, généralement, c'est les meilleures occasions, c'est con à dire, mais... C'est les meilleures occasions, ça, quand... Pour trouver des voitures pas trop chères à prix assez potable. Mais le problème, j'ai pas le moyen, quoi.
Oh, le boulot, ça serait pas trop un souci pour le déplacement, j'ai le scooter, hein. Bon, c'est pas non plus super. C'est pas non plus super. Comment on dit? Super. Bon, bref, enfin bref, c'est pas super quoi. Une baisseur roule en VSP. Bah oui! Certes, c'est des petites bagnoles. Soi-disant qu'elles sont pas trop résistantes. Bah. Vu comment que j'ai amoché la mienne, je m'en suis sorti qu'avec une ou deux coupures, c'est tout. Franchement, c'est quand même solide. Hein. Puis la XM400, elle est assez solide. Elle est pas, y a, en plus, il y a un beau coffre dedans. Donc, je pouvais en mettre un dedans. Bon, j'ai le scoot pour les pour le boulot, mais le problème, c'est mon état de santé. Je peux plus faire n'importe quoi comme boulot et j'ai aucune reconnaissance encore. Bon ben, c'est la merde. J'ai raté la quête. C'est où? Le géant endormi, le roi endormi, il est où? Ah, il est pas dans la petite ville là? Pour les courses, pour aller chercher sa fille, ça suffit. Bah oui! C'est largement bien une petite machine comme ça. Hein. Ah, il faut le port de la rivière pour récupérer le géant endormi. Exigence port de la rivière. Bon, si ça apparaît pas dans les tâches, c'est que ça doit être un contrat. Bon, bah, il n'y a même pas le port de la rivière. Non, mais c'est quoi de ce beans? Géant renversé, un peu de musique. Pont endormi, pont en bois, pont en bois. Ancienne station, village de pont rural, vieux pont, tas de débris, le géant renversé. Oui, mais je voudrais bien trouver le port de la rivière. Port de la rivière. Alors, mission. De la rive. Contrat, je suppose. Il faut aller à Don, c'est périmètre usine. Don. Ground, je suppose. Ancienne station, pont en bois, vieux pont. Bah oui, y a pas. C'est quoi de ce beans? Là, je suis en plein sur la quête normalement. Elle doit être dans les coins là. Mais je ne vois rien. On va laisser le camion là. On verra bien. On va faire du scooting, on va scooter toute la map, hein, en trois têtes. Hein. Moi, j'ai arrêté la voiture, trop de frais. Je vis en ville, donc j'utilise des transports en commun. Et si besoin, je loue une caisse de particulier à particulier. Ouais, ça peut se faire aussi, mais bon, moi, je suis pas vraiment en ville, hein, je suis un peu paumé. Mais pour faire des courses le moins cher, j'ai presque une quinzaine de kilomètres à faire, quoi. Donc, puis le scoot, je l'ai depuis 2010, je crois. J'ai encore jamais fait de révision dessus. J'ai pas les moyens. Comment veux-tu que je fasse des révisions? Donc, s'il vient me lâcher, bah, je suis encore plus dans la merde, quoi. J'ai 880 € par mois. Une fois toutes les factures, les échéanciers que j'ai à cause que je suis devenu propriétaire trop tôt.
Ben, à la fin du mois, il me reste 20 balles, quoi, 20-30 balles. Donc, bon, bah voilà, quoi, c'est pour ça que j'ai vraiment que je me lance assez, que je fais un peu plus de stream pour essayer d'avoir une petite rentrée supplémentaire. Mais bon, c'est pas le peu que je vais récupérer sur Twitch qui va m'aider, hein. Donc, bon, bah voilà, quoi, c'est déjà qui est chiant. Et un Kecléon sauvage apparaît. Lui, je pense que je l'ai pas. Entrepôt de véhicules. Est-ce que j'ai un scout? Oui. On va aller scouter la map, hein. On va peut-être trouver la quête. Hein. J'ai le radar, hein. Oui. Je suis à 7 minutes à pied du supermarché, j'ai une supérette à 3 minutes à pied, boulangerie à 50 mètres. Bah oui, voilà. Bon, il y a des magasins à 2 km de chez moi, mais le problème, ils sont chers comme tout. Le moins cher, c'est au Leclerc, à Raon, donc c'est à peu près à 15-20 km de chez moi, 15 ou 14 km. Enfin, le moins cher. Oui, on peut dire ça comme ça, mais bon. Non, je sais. Bon, au moins, j'aurais peut-être un peu en plus possible de possible, mais bon, ça va être sans plus, quoi. Mais bon, faut dire aussi ce que je récupère sur Twitch, ça sera uniquement reversé sur Twitch, pour Twitch. Donc dans des jeux, dans des conneries comme ça, ou éventuellement dans de l'amélioration du matos, je sais pas. Bon, pour le moment, je suis encore loin, hein. Je suis qu'à 4,44, à peu près 5 dollars. Malgré qu'il y a eu un abonnement de 3 mois qui a été pris, un prime qui a été pris, deux primes qui ont été pris, et je crois aussi un sub payé. Mais bon. Récupérer ce truc des fois. Non. Est-ce qu'on peut récupérer l'Antarctica là? Faut livrer à l'usine l'Antarctique, c'est tout. Donc non. Je fais la carte. Tu aimes pas dans la neige de Stone Aegis. Ah bah c'est un passage là. C'est vert. La réserve naturelle. Ok. J'en fous. Thank you.
je crois que je suis bugué là. Et encore maintenant, Twitch reverse des 50$. Avant c'était 100. Oui, je sais, j'ai vu ça. Je suis bugué là. Ah, enfin. Voilà. C'était juste mon V-Radar que j'avais utilisé. Ok, on va aller vers le quai. Ah mais il y a plein de trucs transversés là sur la map là, c'est quoi ce beans? Attends, ça serait peut-être mieux. Hop, on va envoyer celui-là dans la réserve naturelle. Ouais, bah moi j'y arrive pas. Et puis hier ou avant-hier, je sais plus quand est-ce que je l'ai fait, j'avais trop chaud et ça m'énervait. Map de mort. Voilà, toi tu restes ici. Ensuite, on repart dans le White Western. On va aller jusqu'au cochon. 50$ qui font 45€, ce lequel tu enlèves les frais de transaction. Reste 41. Et il faut enlever les frais PayPal ou bancaires. Reste 39. Oui, bah oui. Bon bah moi c'est bancaire, j'ai pas de PayPal. Enfin si j'ai un compte PayPal mais bon, pff, bordel, je crois qu'un coup j'ai reçu un message comme quoi il allait être supprimé. Je lui ai dit bah c'est bien, j'en ai pas d'utilité, ils peuvent le supprimer, je m'en fous. Plutôt que de me faire chier, je coupais directement ici. Les revenus sont automatiquement déclarés sur les impôts. C'est plus mettre le DAWA pour les prestations sociales ou pour les tranches d'imposition. Bon, de toute manière, je suis non imposable, moi. À cause que j'ai que le RSA. Enfin, mais remarque, même mon père, il avait plus de 2000 balles. Il avait à peu près 1005 ou 1007, je crois, par mois. Il était non imposable aussi, donc... par contre, je me suis coincé là, non? Non, c'est bon, je me suis pas coincé. J'avais cru! Allez.
les rails, c'est un peu la merde hein, quand même, hein, quand on est dessus avec les voitures du véhicule. Hein. Des fois, ils nous lâchent pas comme ça. Hein. Un pote a perdu sa pension d'invalidité car il a touché 400 euros de Twitch et un autre a perdu son RSA pour un an car il avait 2000 euros sur l'année. Ah oui, ah bah, si je fais 2000 euros à l'année, il y a encore du bouillon, encore de la marge. Hein. Je suppose qu'il va falloir refaire ce pont. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais arrêter de stream pour le moment. Ok, bon, ça a été analysé. Bon, là, je pense que je pourrais mettre un pont mobile, s'il faut vraiment que je passe souvent. Quoique non, je peux pas, il y a les bouts de bois qui gênent. Ok, on va repartir au garage et aller vers... faut livrer l'Antarctica. Ouais, mais je m'en fous, je veux pas faire ça moi. L'Antarctica, il est où, Joe? Ah, il a perpété les ouilles, le truc. Bon, dans les deux cas, il faut que j'aille vers en hauteur. Oui, ça fait pas 180 euros par mois. Oui, mais bon, faut déjà avoir, faut déjà les obtenir. Hein. Purée, elle me casse les joux, hein, ou la mouche là. J'en ai déjà eu une sur deux. Alors, il y a un coup de boignac. Alors, tac. Ah oui, bah non, pas le Boignac. Il a pas de radar intégré. Le C500, je crois qu'il l'a. Chercher. Yo. Après, je ne connais pas ta situation, c'est personnel et privé, mais d'après ce que je comprends, c'est compliqué. Oh bah, t'inquiète, hein, prends le fusil pour la mouche. Tu m'étonnes. Bah, franchement, hein, en gros, j'ai qu'une partie de mon RSA, puisque je touche un loyer.
Mais la partie de RSA plus tout le loyer, j'en ai pour 880 euros par mois. À la fin du mois, il me reste qu'une trentaine d'euros. Parce que j'ai la taxe foncière, j'ai la facture de gaz, j'ai la facture d'électricité et tout le bordel qui sont en échéancier, plus les factures que je dois payer tous les mois. Voilà. C'est ça ma situation. Pas de boulot, seulement un scoot pour se déplacer, état de santé de merde. Donc voilà. Voilà à peu près le résumé. Et je suis pas en Eurasie, bande de couilles. Je suis en terrain inondé. Ah bon, on va partir en Alaska alors. Un bec à glaçon sauvage apparaît. Je l'ai. On va le tenter, hein. Ah bah enfin! Je vais reprendre le C500 au cas où. On va le customiser ici. Haute vitesse. Off-road. Ultimate. Il y a peu de nœuds. Hop. Treuil offline. Sliper. Sleeper. Voilà. Le toit, on va lui mettre des hornes. Une Winx, des balises d'usine. Pare-choc, on va y mettre celui-là. Attends, ouvrir. Hop, voilà. Alors, hop, toi tu viens. 880 euros de RSA, c'est pas mal pour une personne seule, même si c'est peu pour tout payer. Je suis en invalidité de deuxième catégorie, plus une complémentaire, je tourne à 1 300 par mois. Mais à côté de ça, j'ai des biens immobiliers qui me rapportent aussi, donc je ne plains pas. Ben, c'est pas spécialement 880 euros de RSA, hein, attention, hein. J'ai 300 euros de RSA et le reste c'est le loyer. Salut Fifou! Donc en gros, au total, ça fait 880 euros environ par mois. Mais à côté de ça, bah, j'ai la maison à payer quoi. Voilà, RSA plus APL. J'ai la maison à payer parce que j'ai la taxe foncière, j'ai la flotte. J'ai l'échéancier de la facture de gaz d'il y a 2 ans qui est monté à 1700 euros. Parce que bon, sûrement que la machine était dégueulasse, donc bon, bah, ça a carburé. Donc bah, je dois la payer tous les mois. Bon, une fois que j'aurai pu la payer, j'aurai un peu plus à la fin du mois. En gros, je devrais avoir à peu près 150 euros à la fin du mois. Donc à un moment là, ça sera déjà mieux. Mais pour le moment, ben, j'ai pas le choix quoi. Je ne peux qu'attendre la fin du plus gros échéancier. Non, pas spécialement. Mais bon, c'est pas dans mes objectifs d'acheter des autres jeux pour le moment. Ouais, il avance pas là, c'est quoi ce bordel?
Ouais, oh. Ouais, avec le système à la mort moelle-neuve de gestion de la bouffe, du froid et tout ça, bah, c'est de la merde. C'est un jeu de conduite, hein, c'est pas un jeu de survie, hein, ce jeu, hein. Donc, c'est mort. C'est pas dans mes objectifs. De manière déjà vu l'horreur qu'est MudRunner Spitfire, ils se sont rattrapés quand même sur SnowRunner. Bon, d'après tout ce que j'ai pu vaguement voir sur les nouvelles, il y a la gestion de la bouffe, du froid, il y a la possibilité de sortir du véhicule, puis je sais pas ce qu'il y a d'autres conneries encore. Je suis désolé, même déjà, même sur SnowRunner, foutre un DLC où qu'on doit faire du... Où qu'on doit faire comment ça s'appelle? Du... Merde. D'agriculture? Non, ça n'a rien à foutre dans le jeu. Ouais, bah, exploration... À la base, SnowRunner, c'est un jeu de... C'est pas un jeu d'exploration, hein. Enfin, il y a de l'exploration, oui, mais la plus grosse partie du jeu, ça se concentre sur la conduite et puis la livraison de marchandises, quoi. Foutre des tracteurs et de l'agriculture, déjà, c'était une mauvaise idée. Ok, bon, là il y a un pont cassé. Déjà, on va ressortir de là. Hop, pas aller choper l'Amelio. Et après, on va aller scanner la zone là-haut. Oh, si je pouvais passer en dessous. Hop. Maintenant que le RSA va être conditionné à des heures de travail, ça va être chaud. Tu as dit que tu as eu un accident et tu as essayé l'invalidité via la CPAM. C'est long, 2 ans. Ouais, mais le problème, je suis pas assez handicapé pour ça. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je peux porter, je peux me déplacer, je peux travailler. Donc j'ai pas à obtenir la CPAM, quoi. C'est ce qu'ils m'ont dit vulgairement. Donc bon, ben voilà quoi, c'est la merde. Oui, je peux porter, oui, je peux marcher. Mais le problème avec les, en plus avec les discusés, ben ils m'ont dit ouais, mais c'est la plupart des personnes ont les discusés, ils travaillent quand même. Voilà les réponses que j'ai. Merci pour la bébête, Navas. Merci pour Ratos. Mes jambes, tant que je peux me déplacer et que je peux porter, je suis pas enceinte, je peux pas être en invalidité. Bon, mon médecin me l'a dit. La bonne femme que j'ai eu en suivi pour ça, elle me le dit aussi. Bon, ben voilà quoi. Donc en gros, c'est bah tu continues à te bousiller à la santé si tu veux gagner du pognon. On s'en fout que tu sois déjà abîmé. Tu bosses jusqu'à crever quoi. C'est ça, vulgairement. Après, on s'étonne que les gens ils vendent des trucs illicites ou qu'ils font des braquages. Pas que je me retourne, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre pour attraper le véhicule. Là.
Ça c'est actif, c'est l'activa pour le Tatra. Pour le Tatra Phoenix. Salut Gazier. Ah il est vert le jaune d'œuf. Comment qu'allez-vous? Bah ça va, ça va. On débat de la de l'état de santé, on débat du pognon. Bon, je voudrais bien passer, merci. Il va être trop gros le véhicule. Ah oui. Là, il pourrait passer, mais il y a un arbre qui gêne. Bonne suspension hein. Bon, on défonce tout pour passer. Bien renversé, faut le livrer là. Malin, t'arrives là-dedans, après tu passes par où? Par là, oui. Bon voilà, j'ai scanné toute la map et j'ai toujours pas le... Quand ton élan et plonge dans la flotte. Tu le fais très bien, tu le fais très bien ça, tu m'étonnes. Ah bah je suis un pro des plouf plouf hein. Bon alors, le truc. Pour récupérer le tête à force, il faut l'exigence le roi endormi. Pour avoir le roi endormi, il faut l'exigence port de la rivière. Et pour le port de la rivière, aucune idée. Il n'apparaît pas. J'ai pont en bois, j'ai ancienne station, j'ai géant renversé, tas de débris, x2, vieux pont, x2, j'ai pont rural, village de Podonskoy, un peu de musique et un autre géant renversé. Et c'est tout. Alors comment que je suis censé faire pour trouver le géant endormi là. Et là-dedans, j'ai la main droite, canaliser votre énergie. À mon avis, il va falloir que je fasse des quêtes. Pour éventuellement déverrouiller la quête quoi. Bon, on va faire ça. On va aller chercher le géant là. Il y a le pont en bois qu'il faut réparer, non? De là jusqu'ici. Ah bah, de toute manière, là j'ai un pont à réparer quand même. Bon, on va déjà réparer les ponts alors. Et là, il y a un autre pont. Donc, il faudrait que je ressorte du coin là.
effectivement, il faut que j'aille là, là. Ouais, bah je suis censé comment y aller. Bon, on va y aller à la Wookie. Hop, voilà. On va y aller à la Wookie. Et un mucus culso apparaît. J'ai eu un accident et je me suis fait écraser par un tronc. Menuisier ébéniste. Fracture mâchoire, fracture du nez, côte fracturée, luxation épaule droite, dislocation épaule gauche, écrasement du bassin et en bonus éventration. On m'a bien réparé, mais mon bras gauche est out, alors je me déplace avec une canne. Ouais, il fait pas à moitié, moi non plus, j'ai pas fait à moitié, hein. En 2003, j'ai eu un accident de la route. J'ai percuté une moto, une voiture de plein fouet. J'étais en moto. En 50. La seule fois que j'étais pas en excès de vitesse. J'ai eu les deux tibias, genoux, fémur, rotule, péroné, quatre côtes et la hanche cassée. 2009, la roue avant de mon VTT s'est détachée toute seule. Traumatisme crânien, traumatisme facial. Non, bah si tu veux, Gazier, j'en ai mis deux autres des clips sur mon Discord. Aïe, aïe, aïe. Tu fais en plusieurs parties, un coup le bas, un coup le haut. Oui, c'est ça. C'est très bien que quand je prends le Kenny, il y a de très grandes chances que je me retrouve par terre. D'accord, il n'y a pas la quête là. Super. Mais comment pour la valider, moi, s'il n'y a pas de quête? Bon, on fonce. On va tout droit. Il y a un chemin à côté. Ah, bon, on va le prendre. Bon, c'est peut-être une idée à la con, mais bon. Mon surnom à l'hôpital, le Schtroumpf. J'étais bleu de la tête aux pieds. Ah oui, quand même. Na na na, Schtroumpf la la, na 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 na. Ok, je sors. Nettoyer le véhicule. Bon, il n'y a même pas la quête ici. Super. Oi, oi, oi. Comme quête, mais il y a rien dans ce coin. Ouais, tout est là-bas. Hein. Il faudrait peut-être en fait une attache, non? On va dire aller, on va dire chercher les quêtes. Pardon. Bon, alors,
rural suivi de village. Il n'y a pas beaucoup de quêtes ici, mais c'est beaucoup de kilomètres. Elle m'énerve la remorque là. Ah bah c'est l'autre qui est là. Depuis je relativise tout. C'est pas que les choses ne sont pas graves, mais il y a toujours pire. Et avec le temps, les choses s'arrangent si on les laisse pas prendre trop d'ampleur. Ben oui. Alors, est-ce que j'ai accepté toutes les quêtes là? Alors, pont en bois, il faut deux planches. Là, il faut la remorque à outils. Là, il faut sortir un véhicule. Et là, il faut deux planches. Donc, il me faut quatre planches. Les planches, elles sont où? Je ne dis pas que les planches, il n'y en a pas ici. Ah si, il faut les prendre là. D'accord, elles sont sur une remorque. Donc c'est semi-remorque à plateau large, c'est un attelage haut qu'il lui faut, je crois. Attends, on va aller vérifier. Semi-remorque à plateau large. Il n'y a pas de magasin de remorque ici? Ouais, même pas mal gain de remorque. Mais c'est quoi cette map? Bon, je vais aller... Demi-remorque à plateau large. Kiki, t'es là? On va voir s'il est là. Allez, c'est l'heure du café. Ça marche, Will? Bon café. Kiki n'est plus là, je pense. Qui c'est qui a encore ce chat? Gaziette est là encore aussi. Ok. Dis-moi voir le semi-remorque à plateau large. C'est bien l'attelage haut qu'il faut, non? C'est celle-là, là. Semi-remorque à plateau large, c'est bien l'attelage haut, hein? C'est la grosse remorque lourde, là. Non? Effectivement, d'accord, ok. Donc je vais mettre l'attelage haut. Merci. On va enlever.
fait le service tank et attelage haut. Mais le service tank, je peux pas mettre l'attelage haut. Ah si. Ouais. Bon, je vais le virer parce que je pense qu'il n'y aura pas assez de place. Hop. Allez, on va chercher cette daube là. Alors, on sort. On va là. Hop. On traverse. Alors, un Wookie avec un camion. Ah, t'es au téléphone. Alors, un Wookie avec un camion qui trace comme une fusée. Avec une remorque qui font un attelage haut pour le déplacer. Est-ce que ça va donner quelque chose? Ça risque de promettre, non? Bah sinon je serais reparti sur une autre map pour voir dans le magasin à remorque quel attelage il aurait fallu quoi. Bon, ça aurait fait deux chargements un peu pour rien quoi, donc bon. Youhou! Ah, je l'ai bien chopé, tiens, pour une fois. Ah, mais quel abruti, ça, j'ai quitté. Là. Et une petite photo pour la vidéo. Ratchetetet. Bon. Faut pas lui faire un tonneau. Allez hop, un petit tonneau. D'accord. J'ai dit un tonneau. Hop. Hop, merci. Et on repart. Bon, j'ai un peu abîmé la carrosserie, mais bon. C'est pas moi qui paye les réparations, c'est Titi. Ou Gazier, selon les envies. Oh là, oui, oui, oui. J'aurais peut-être pas dû mettre les suspensions sur élevé. Ah oui, merde, attends, il faut que je prenne la remorque. Ça va être trop haut pour la tranche de l'accrocher. Ah, bon, bah, on verra sur place, hein. Vous avez vu ce qu'elle a fait la branche? Elle a fait un tour sur elle-même. Bon,
garde, bien entendu. Ah. Le bestiau, il a la dalle. Bien, Val. Bon, par contre, cette merde de musique, là, là. Et un nobody sauvage apparaît. Volé. On est passé à la chouille là, tout doucement. Là j'ai les roues arrière qui bloquent. C'est de l'arnaque avec deux planches dessus. Valider la quête là, enfin l'activer. Avec une remorque de 8 pour ça. Ah non, c'est une 5 celle-là. Eh oui, c'est une 5, c'est pas la 8. Oh, il y a un pneu livude. Un pneu livude. Un pédiluve à camion. Hop. Non, mais vous êtes sérieux? Ils sont sérieux là? Bon, on va faire un peu de parcours. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Oui. Ça peut être marrant si t'arrives là-dedans à pleine vitesse. Non, mais ils sont sérieux, là? Bon, et j'ai pas que ça en foutre, hein. Ah bah, bien sûr, je vais te bloquer. Là, il y a une remorque. Non, c'est bon, je vais pas être bloqué là. D'accord, elle se déverrouille pas, donc ça doit être une remorque de quête. Alors, bon, une fois là, on va être coincé par le train. De toute manière, il faut livrer les planches de bois. Ça serait mieux que j'aille livrer le pont là-bas. Par là, revenir par ici pour aller là et là. Voilà. Oui. Ah, j'étais trop loin.
falloir que je tourne avec la remorque là. C'est mort. Non mais il me les casse là! J'attaque. Descendre dans la carrière pour la traverser. Non mais sérieux! Bon, on va faire ça à la Wookie. Pour pas pousser mémé dans les orgies. Hop, coupé court. Tac, tac. Alors, on va couper court, on va pas se faire yèche. Ah, magnifique. Bien sûr, il y a des trains qui vont me gêner. Je peux pas les pousser des fois. Parce que dans la map précédente, on peut pousser les. Non, on peut pas la bouger, celui-là. Bon, est-ce que ça pue? Oui. Voilà, c'est à la Chewie qu'il faut y aller, hein. Voilà. Bon, je go, je suis mort de fatigue. Bon live à toi. Merci Gazier. Ah, puis merci d'être passé, hein. Reviens quand tu veux. Reviens quand tu veux. Retourne. Oh, mais c'est quoi cette dépotoir là? Mais ils sont sérieux? On peut pas le faire à la Wookie? Oh de merde là qui traîne. Hey, c'est un ancien dépotoir ce truc. Bon, on va passer par derrière. En fait, j'ai pas perdu ma cam. Non, c'est bon. Ah purée! Eh mais qu'est-ce qu'il y a eu là? What the fuck, il y a eu quoi? Prends mon café en ta compagnie. Après direction course. Ouais oui, même les super-héros comme moi ont besoin de manger. Tu m'étonnes. C'est quoi qu'il y a eu là comme problème là, le camion? Ah purée, le panneau de mort là. Bon, on va aller chercher un autre camion. Il me faut une grue et un bac. J'ai l'impression que je vais devoir faire la moitié de la map pour déverrouiller un véhicule. C'est un bac de 3 qu'il a lui. Lui il a un bac de 2. Lui il a un bac de 2 je crois, mais je suis pas sûr. Non, c'est un 3 aussi.
Et lui, bah, c'est le 3 aussi, non? D'accord, lui, bah, lui, c'est carrément un 4. Slater bête 3, et y a-t-il une grue? Des grues à tronc, et une grue lourde. Ok, bah, hop. Et lui, est-ce que je peux lui mettre la grue et il a un bac de 2, non? Non, il n'y a pas de bac de 2. Ok. Bon, bah on va sortir le Boignac, hein, et c'est tout, hein. Gobed. Et KRS-58. C'est la grue de merde. Non, ça va, c'est pas la grue de merde. Ok, bon bah on y retourne, hein. Bon, ça va, heureusement qu'elle est pas trop longue, là, trop grande la map là. Ah mais on confond ce truc. Allez, bah aussi je prends des véhicules qui sont quand même stables, mais que bon, un véhicule, peu importe qu'il soit stable ou pas, avec moi j'arrive à le retourner. Alors bon. Bon, faut dire là, comme c'est assez backup, je fais un peu n'importe quoi, hein, quand même. Sur ma save normale, je n'utilise pas que les camions les plus pétés, hein. Et je lui ai mis des petits trous en plus à ce couillon. J'ai pas mis les 72 pouces là. 70 pouces là, je sais plus. 63 pouces, pardon. 70 pouces, c'est le pont mobile. Ok, j'ai embarqué la roue avec moi. Préparez vos balles, un Pokémon va apparaître. Ah,
Poch. Poch. Un Ptera sauvage. Hop, ensuite on remonte là. Hop. Non, c'est pas par là. Ah super, bande de chacal. Je vais devoir passer par la flotte pour aller livrer le pont. Oh mince, le pont c'est pas ça. Le pont c'est la remorque à outils. Eh mais attends, je suis à portée. Eh ben je vais aller le choper. Je vais aller la choper la remorque. Comme ça, je pourrais faire une pierre deux coups. Bon, c'est un coup à me retourner, hein, en faisant le con, en voulant en prendre plus que prévu. Surtout dans cette espèce de dépotoir là. Mais bon sang! Le Ptera a été attrapé. Par moi. Bien sûr, elle est de l'autre côté, la remorque. Hop. Alors, première livraison, pont rural d'abord. Et deuxième, village. Allez, let's go. T'as décidé de me faire yesh là, le boignac. Ça a décidé de me faire chier, remorque là, tout. Hop, on force le passage. Ça marche, des bisous. Et puis, bah, merci d'être passé, oui, là. Non. Ah, j'arrive. Non, pas la remorque. Mais bon sang de bonsoir. Portel de... Ah, merci Sylve pour le raid. Alors, il y a eu des pépites.
où il n'y a pas eu de pépites. Enfin, j'appelle des pépites des beaux trucs, hein, pas juste un simple retourné de remorque pourri. Hein. Comme moi, il y a une dizaine de minutes, le camion il est passé au-dessus d'un poteau, d'un petit panneau, mais le jeu a pas voulu laisser passer la remorque, alors il m'a fait valdinguer les deux, quoi. Ah mais il est encore fin le machin là, mais purée, il est pire que le ghosty. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne et à follow. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça aide les chaînes. Il fait du SnowRunner, du Apex, et je sais plus, aussi du Fortnite, je crois. Ah non, c'est pas du Fortnite, c'est du FIFA. Enfin, l'un comme l'autre, c'est pareil. Ça commence par un F. Hop, on répare le pont. Et on livre les planchettes. Peut-être activer la quête, non? Village de Podonskoy. Merci mon ami, voilà ma part du marché, vous pouvez trouver ma vieille remorque radar à notre station, n'hésitez pas à la prendre. Mieux vaut en faire un bon usage que la laisser rouiller là. Ah, eh ben merci aussi à toi June pour le raid. J'ai déjà Sif qui a raid, mais bon, à mon avis il doit dormir là. N'hésitez pas aussi à aller sur la scène de June. Bon. Un pont en bois, il n'y a pas de bois. Comment que je suis censé livrer du bois s'il n'y a pas de bois? Bordel de cul. Bon, faut livrer cette daube. D'accord, faut livrer à Perpète les ouilles. Allez, je suis obligé de faire les quêtes là. Parce que pour déverrouiller un véhicule, il me faut une... il me faut une... un truc précis. Mais je le trouve pas. Donc bah, je fais les quêtes jusqu'à le déverrouiller, quoi. Oui, monseigneur. Ça va, avant de pouvoir déverrouiller le véhicule, je vais devoir faire les trois quarts de la map. Je le sens gros comme une maison. Restant l'heure que je vais graille. Ça marche. Et merci pour le lurk.
bon graille. Je sais pas ce que tu vas graille de bon. C'est peut-être pas bon, hein, va savoir. Bon, parce que le Bobo, il aura la force pour tirer l'Antarctique avec sa remorque. Oui. Hop là. Oui, aïe. J'ai failli partir dans le décor. C'était peut-être pas la bonne idée de mettre une boîte haute vitesse sur ce véhicule. Bon, on va traquer ce truc. Et on va aller dans la flotte, on va aller nettoyer les roues un peu. Et on va tractationner ça. Oui, c'est un escargot en marche arrière. Ah merde, la remorque elle est pas accrochée avec. Oups. Bon, on va tâcher d'essayer de récupérer la remorque. On va le remettre sur ses roues celui-là, sinon ça va être la croix et la bannière à le tracter jusqu'à là-bas. La remorque s'en va! Ah bah c'est une remorque pour moi. Hop, ça dégage. Faire recommencer des fois parce que bon non. Hein, va falloir le remettre sur ses roues ce truc. Hop, voilà. Eh hey, mais viens, parle avec moi, abruti. T'es glitché sur mon bac, ce con. Non mais c'est pas possible, bordel. Je vais pas me casser les burnes pendant 3 plombes. Et un ange chouette sauvage apparaît.
il faut repartir sur place le chercher. Bon, ça va comme je dis, ça va que la map est pas trop grande. Hein. Il n'y a pas non plus 600 km à faire à chaque fois pour aller chercher un truc. Mais bon, aller-retour, à force, ben voilà quoi. 5 minutes. Faut que je suive la route. Enfin, que je suive celle-là, pardon. À chaque fois, mes camions, ils font une ruade là. Pas trop le passer trop vite ici parce que t'as un coup à finir les quatre fers en l'air dans un flotte ça. Bon, chouette, t'as été attrapé. Bah, y'a que moi qui a tenté donc par moi. D'accord, j'ai un point qui a rien à foutre là, mais bon. Allez, viens ici, espèce d'atico. C'est quel chemin que je dois prendre? J'espère que c'est celui-là. Oui. Ah, super. Que je vais passer là avec le véhicule là qui est pas stable. C'est vrai. Non mais putain, il s'est foutu sur le côté, mais quelle merde ce camion. On se dit, on se demande pourquoi que ça vient des seuls Azov que je conduis pas. C'est de la dope ce machin, il tient pas. Il tient pas sur ses roues. Moyen de le redresser là. Allez putain, remets-toi sur tes roues, espèce de d'épave de mort là. Font un endroit un peu près plat pour essayer de le redresser quoi. Là, mon Boignac, on dirait un camion poubelle. Il tire une poubelle.
Bon, je suis sur du plein à peu près. Ah purée, si j'accroche le poteau, c'est sûr que ça va le faire. Ah, il manque que je l'ai livré cette daube, hein. J'ai jamais aimé les véhicules articulés de toute manière. Hein. J'en ai testé plusieurs des véhicules articulés, des modes de véhicules articulés, c'est tout la même merde. Il y a eu qu'il y a une petite inondation aussi ici, on dirait. Il se met en vitesse basse pour éviter qu'il change de vitesse dans la montée. Ben, faut dire, c'est quand même du lourd hein, qui tracte là, le camion. Hein. Ça a beau être un camion modé, il en chie quand même à le tracter. Hein. On dirait pas comme ça, mais bon, c'est pas vous qui le conduisiez. Hein. Ça, c'est la station essence, on s'en fout. Bien sûr, je vais encore le retourner, non? Non, ça va. Là, c'est pas là, par exemple, il faudrait un petit pont pour passer. Bon, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'aller-retour à faire ici, donc c'est un peu inutile, je pense. Je dois y aller une fois pour ça, une deuxième fois pour récupérer la remorque de bois, et éventuellement une troisième fois pour le défi, et c'est tout. Là, j'ai un peu forcé le passage, hein. Ça s'est vu à la petite guirlande. Hier soir, on s'est bien marré avec Will. Ah bon? Bah, je te rappelle que j'étais présent quand même, hein. Alors, bah, il n'y a plus que le pont en bois, mais j'ai pas de bois. Il n'y a pas de planche ici. Il n'y a qu'une seule tour de guet, super. Bon, on va aller la faire. Peut-être que ça va me déverrouiller quelque chose. Mais il y a peu de chance.
Récupérer la remorque là. Bah oui. Jusqu'à un moment donné, t'as mis plein un point d'exclamation play. Je t'ai marqué yo, yop yop. T'as même pas répondu. Besoin, mais comme ça ne me marque pas machin a été déverrouillé, c'est que ça doit être une machine de quête. Voilà, embarqué, on verra bien si elle nous sera utile plus tard. Tu vas regarder dans les usines pour ton bois ou sinon il est dans l'autre carte. Ouais, bah il peut être que dans l'autre carte, hein. Super, le panneau il est venu avec moi. Bon bah c'est pas grave, hein. Hop. On va débugger ça. Voilà. Ouais, c'était un poteau qui était coincé en dessous. Non, t'inquiète. De toute manière, là, je comptais juste aller à la tour de guet. Et passer à la deuxième map. Comme j'ai le scout sur place. Parce que bon, s'il demande deux poutres, deux planches de bois. Et qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a aucune... aucun bâtiment où les récupérer. Bah, ça veut dire que c'est sur la deuxième map. Donc, il suffit d'aller sur la deuxième map, c'est tout. C'est de la logique, hein. On n'a pas à choisir entre réparer un pont ou réparer un autre pont, hein. Bon, je récupère quand même le générateur, là, il sera peut-être utile. Ou pas. Oh, t'inquiète, y'a pas besoin de mettre le jeu. C'est entièrement logique, hein. S'il n'y a pas de bâtiment qui donne du bois sur cette map et que il y a deux trucs qu'il faut livrer du bois, c'est que soit il y a une remorque avec du bois dessus, soit tout simplement c'est sur une deuxième map. Ah non, pas besoin, je te dis. J'ai juste à aller sur l'autre map chercher le bois, c'est tout. C'est de la logique, hein. Préparez vos balls, un Pokémon va apparaître. C'est un crustabri sauvage que j'ai. Attends, je dois faire un échange moi parce que j'ai des quêtes à réseau à remplir sur Pokémon. Thought it for
Alors, bah tiens. En chouette. Je l'ai pas en double. Ptera, il me semble que je l'ai en double. Ah non, c'est Ptera que j'ai en double. Ok, donc Becca. Becca, pas Baka. Alors, level 12, IV14. Et l'autre, level 20, IV22. Oh, il est beau. Ah mince, le cooldown n'est pas fini encore. Encore 40 minutes de cooldown. Alors. Je vais amener le camion à côté là. Si on a besoin, je viendrai reprendre. Voilà. Alors, toc. J'ai encore des quêtes éventuellement ici. Non, par le pont en bois. Ok. Et voilà, zone de déchargement, c'est ici les planches. Ben, je le savais, je m'en doutais, hein. C'était tout à fait c'était la logique. Hein. Réserve naturelle, Antonovski, ski. Antonovski. Comment ça se prononce? Voilà, bah, je vais mettre une pause, hein, comme ça, ça fera une vidéo déjà d'une minute cinquante, enfin d'une heure cinquante. Je vais aussi lancer une pub, donc je vous préviens, il va y avoir une minute de pub direct. En attendant pour la pub, j'irai aux toilettes et on se rejoint juste après pour le final et le relancement. À tout de suite. Hey, 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 Wild, comment que ça va? Bon, par contre, ça va être difficile.
J'allais dire, je vais juste arrêter l'enregistrement YouTube. Et bah, je continue de toute manière sur Twitch, hein, donc vous pourrez rester, il n'y a pas de souci. Je vais juste faire l'outro YouTube, suivi directement de l'intro YouTube. Donc voilà une bonne chose de faite. Il est l'heure de se dire au revoir. C'était Dr. Chewy et Mr. Wookie ainsi que Wookie 88. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, hein, ou me rejoindre sur Discord et Twitch. Les liens seront dans la description. Sur ce, le Dr. Chewy vous dit un ciao babouille, bisous.